Bezout Morgan, allez, Yidane, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Abraham Khanin, Orber, Ben Fortune, Mazal, Rafamim, Ben Rosa et Yedida, Batester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maseret Erechin, Perekret, Mishnah Gimel, Amar Echad, Arehi, Sheli, Be Esrim, Ve Echad. Abe Alim, Notnim, Esrim, Vashesh. Be Esrim, Ushtaim, Abe Alim, Notnim, Esrim, Vasheva. Be Esrim, Vashalosh, Abe Alim, Notnim, Esrim, Ushmone. Be Esrim, Vaharba, Abe Alim, Notnim, Tisha, Ve Esrim. בחמישה ועשרים הבעלים נותנים שלושים שאין מוסיפין חומש על עילויו של זה אמר אחד הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים ניתן שלושים ואחד דינר הבעלים קודמין ואם לאו אומרים הגיעתך משנה סמפל dans son principe mais qui a une petite feinte qui va falloir faire attention d'abord on introduit de quoi on parle plus précisément. On continue à développer le sujet de celui qui va sanctifier son champ, mais à l'époque où il n'y a plus de yovel. Pour rappel, la Torah l'a fixé. Lorsque je vais sanctifier mon champ, c'est-à-dire je vais l'offrir, je vais en faire un don au Beth Amikdash, de la valeur d'un champ, comme ça j'ai fait une belle somme d'argent, la valeur de mon champ au Beth Amikdash. Mon champ au Beth Amikdash. Alors, à l'époque où on faisait le yovel, alors la Torah l'a fixé, elle a établi un prix fixe, Zerah Chomer Seorim, Bachamishim Shekel Kesef. C'est un prix fixe selon une taille d'un bête zera, un bête court, qui fait 50 amas sur 100 amas. Il faut payer 50 pièces d'argent pour les 50 ans du yovel et on les divise chaque année, on déduit. Ça, c'est à l'époque où il y avait le yovel. Mais il y a eu une époque où il y avait déjà eu la galoute, l'exil de Bnegad ou Bnei Reuven, et on faisait plus le yovel en Israël, parce que la Torah l'a dit que lorsque vous êtes tous sur la terre, il y a le yovel. Quand vous êtes plus tous sur la terre, il n'y a plus le yovel. En l'occurrence, il n'y a plus de yovel. Donc, si je sanctifie mon champ, alors je ne rachète plus mon champ avec un prix fixe par la Torah, mais plutôt par sa valeur exacte. Sa valeur exacte, alors, il y a deux manières de le faire. De manière générale, comme sont les calculs de valeur. Soit on va vendre aux enchères, soit il y a ce qu'on appelle une chouma. On va faire une estimation, une expertise. Pour le moment, dans notre Mishnah, on touchera un petit mot à la fin de la Mishnah, parce qu'il y a un bâtonnier à qui on parle, c'est pour ça qu'on introduit. Pour le moment, tout ce qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est qu'on faisait une vente aux enchères. Lorsqu'on va faire la vente aux enchères, alors on va d'abord donner. Alors, la fin de la Mishnah précédente nous apprenait qu'on va donner priorité au propriétaire du champ à ouvrir lui les enchères. Pourquoi est-ce qu'on lui donne cette priorité? Parce que tout d'abord, si on a deux personnes qui sont prêtes à donner 20 pour le champ, on est plus intéressé à vendre au propriétaire lui-même. Pour quelle raison? Parce que le propriétaire doit rajouter le chomesh, le cinquième, qui, pour rappel, n'est pas le cinquième, mais plutôt le quart. Ouais, si vous ne retenez pas cette notion, vous allez avoir beaucoup de mal dans cette Mishnah. Quand on dit le cinquième, c'est en réalité le quart. Pour quelle raison? On a déjà expliqué dans plein de choses dans la Torah. On fait les calculs ce qu'on appelle millébar par l'extérieur et pas millégave par l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque je veux calculer le cinquième de 100, j'ai deux manières de. Nous, dans notre mode, notre manière, notre façon de parler, on dit tu rajoutes le cinquième, donc tu prends 100, tu divises par 5, et tu rajoutes un 20, ça va faire 20, donc tu rajoutes 20, donc ça va faire 120. Ouais, dans la Torah, c'est très fréquent qu'on fait les calculs millébar, pas l'extérieur. C'est-à-dire, je t'ai demandé de rajouter la chose, la parcelle, que lorsque tu la rajouteras, ça représentera un cinquième du tout. Donc en fait, tu rajoutes un quart. Ouais, tu prends. Une entité, tu la coupes en 4, tu prends la même un quart, tu le doubles, tu vas avoir 5 à la fin. Donc en fait, le cinquième de la fin, c'est le quart du début. Et ainsi de suite, si on t'avait demandé de calculer le cinquième, mille et barres, ça aurait été le sixième de la suite. Ouais, on rajoute 1 sur le dénominateur. D'accord? Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc je reviens sur le vif du sujet. Il y a deux personnes qui veulent donner 20. Un, c'est le propriétaire du champ, et l'autre, c'est une tierce personne. Eh bien, on va donner priorité au propriétaire. Pour quelle raison? Parce que le propriétaire doit rajouter le cinquième. Donc, lorsqu'on va vendre à 20, le Beth Amikdash va toucher, en fait, 25. C'est plus intéressant. Voilà pour les introductions avant d'aborder la Mishnah. Maintenant, lorsqu'on va aborder la Mishnah, on n'a qu'à traduire directement, tout de suite jusqu'à les deux tiers de la Mishnah, et puis après, je vous expliquerai la feinte que si on ne fait pas attention, on tombe dedans. Personnellement, j'ai passé une demi-heure à préparer la Mishnah. Il y avait une phrase qui m'a rendu fou, que je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à d'un coup, j'ai eu un flash et tout s'est arrangé. Regardez, je traduis. Amar Echad Arehu Sheli Be'esrim Ve'echat. Donc, on continue sur le cas de la fin de la Mishnah précédente où le propriétaire dit qu'il veut racheter à 20. Et
la Mishnah d'avant nous disait donc Abéalim omrim beisrim, bekol adam omrim beisrim, Abéalim kodmim, pnechen mosifin chomesh, on donne priorité au propriétaire parce qu'il va donner, il rajoute le cinquième, donc il va payer 25. On préfère donner priorité au propriétaire. Maintenant, la Mishnah continue en disant Amar Echad, un il a dit, Arehi sheli beisrim veechat, un il a rajouté un sur le propriétaire. Et là, on est un petit peu en dilemme. Pourquoi? Parce que 21, c'est mieux que 20. Donc, il faut le donner, il propose 21, tu donnes 21. Mais, matériellement parlant, on préfère vendre au propriétaire à 20, qui va donner 25. Alors là, ça, on est dans un grand dilemme, en théorie, jusqu'à qu'on utilise la force. Mais pour le moment, on a un problème. Le propriétaire, il est prêt à payer que 20, qui se traduisent chez nous en 25. On ne peut pas lui céder à 20 quand il y a quelqu'un qui dit 21, quand on fait une vente aux enchères, on donne à celui qui fait 21. Mais d'un autre côté, on ne va pas vendre à celui qui propose 21 si on va gagner moins au final. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Mishnah a une solution très très simple. Il n'y a aucun dilemme. Tu utilises la force et tu le forces à vendre à 26. C'est-à-dire, tu vas donner donc ce que toi tu es prêt à donner, les 20 plus 5, et même le 1 supplémentaire que l'autre y rajoute, tu le rajoutes. Donc ça fait 21 plus 5, 26. Si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour le moment, c'est ce que la Mishnah enseigne. Abéalim notin esrim vachesh. Le propriétaire va donc donner 26. D'accord? Ainsi de suite. Esrim ushtaim, l'autre il est prêt à payer 22, et le propriétaire ne veut payer que 20. Donc 20 se traduit par 25, mais d'un côté, l'autre il propose 2. Eh bien, rajoute les 2 supplémentaires sur le capital. Donc maintenant, ça va faire que toi tu veux donner les 20 plus 2 plus 5. Pourquoi 5? Parce que c'est le cinquième. Vous entendez le petit problème qu'il va y avoir? Pas encore? On continue. D'accord? Donc maintenant, il va donner donc, à Be'alim, Notnim, Esrim, Vachev. Le propriétaire va donner 27. Et ainsi de suite, on continue. Be'esrim, Be'chalosh. L'autre, il est prêt à donner 23. Et le propriétaire, lui, il reste sur ses 20. Eh bien, on va forcer le propriétaire à dire non. Ben, à Be'alim, Notnim, Esrim, Ushmoné. Le propriétaire donnera 28. C'est-à-dire 20 plus 3 et plus le cinquième des 20. Et il est là le problème. Pourquoi 5ème des 20, pas 23? Allez, je vous vends la mèche un petit peu. Encore une ligne, on va parler de ça. Be'esrim va'arba, même situation de nouveau, il est prêt à payer 24. Alors, de nouveau, on est plus intéressé à vendre au propriétaire qui va concrètement nous rapporter 25. Mais on ne peut pas lui donner à 20 si quelqu'un est prêt à donner à 24. Il a fait une estimation plus haute. Donc, ça signifie que le champ, maintenant, il vaut 24, il ne vaut pas 20. Donc, on va te dire, bon, tu sais quoi, toi, propriétaire, tu payes les 24 plus les 5 du cinquième. Donc, à Be'alim, Notnim, Tisha, Be'esrim, le propriétaire donnera 29. Bon, là, il y a un cas très complexe, qu'on en parlera après, c'est que la Mishnah m'enseigne encore. Bachamisha, Be'esrim, quelqu'un propose de donner 25, et là, à notre grand étonnement, la Mishnah m'enseigne, bien, le propriétaire devra donner 30. Ça, c'est pas logique. Et le Barthénois rallonge pour nous expliquer pourquoi c'est comme ça, malgré tout, mais la logique, elle est pas du tout de tolérer une chose pareille. C'est-à-dire, si le propriétaire a proposé 20 et que malgré tout on ne va pas céder à quelqu'un, il n'y a aucune raison de ne pas céder à l'autre qui veut donner 25, puisque de toute façon je gagne 25 par lui, 25 par lui. Donc je donne 25 à la tierce personne, c'est ce qu'il aurait dû y avoir, mais pourtant la Mishnah enseigne que ce n'est pas comme ça. Ah ben Alim, Notnim, Shloshim, le propriétaire devra payer 30. On expliquera après qu'en réalité il n'a pas proposé 20 à 25, 20 plus 5, il a proposé 20 et une prouta et plus 5, donc ça fait un petit supplément, donc c'est pour ça qu'on va tout faire basculer à son désavantage. Et la Mishnah rajoute une phrase, et c'est là où j'aboutis. She'en mosifin chomesh aliluyo shelze. Après réflexion, cette phrase elle est évidente, mais qu'est-ce que j'ai bavé pour la comprendre? Je traduis les mots, car on ne rajoute pas le cinquième aliluyo shelze, sur le supplément de l'autre. Une phrase que je ne comprenais pas, a priori on a du mal à comprendre. En réalité, je vous expliquais, c'est très simple. Je vous ai déjà soulevé la problématique en fait. On va prendre le cas. Lequel je veux prendre? Allez, le 24, ça me plaît. Ça marche? On va parler du 24. C'est divisible par 4, donc ça m'arrange. Je reprends le cas où il y avait le propriétaire, il était prêt à payer 20. Et comme on a dit, 20, mais chez nous, dans la trésorerie du Beth Amikdash, 20 se traduit par 25. Donc on garde le concret aussi, on va toucher 25. Il y a quelqu'un qui propose 24 à côté. Alors là, on en dilemme, comme on a dit. Qui je choisis? Le champ, il y a quelqu'un qui est prêt à payer 24. Je ne vais pas, moi, vendre le champ à moins cher si c'est le prix. La Torah l'a dit, tu vends le bento, benra, la Torah l'a dit, tu choisis le prix le plus haut. Donc, 24, quelqu'un qui propose 24. Alors, il faut que le prix soit 24.
Mais d'un autre côté aussi, le propriétaire rajoute le cinquième. Donc on va lui rajouter le cinquième. Donc comme on a dit, on va se retrouver avec une situation où il va payer 29. Mais il y a un problème technique. C'est que si le champ, il coûte 24 finalement. Donc on va dire au propriétaire, bon, tu vas payer 24 pour le champ. Mais dans ce cas-là, même le cinquième, il change. Parce que le quart de 24, c'est 6. Donc il devrait payer 30, pas 29. Et la Mishnah me dit qu'il ne doit payer que 29. Vous avez compris le problème? En théorie, quand le propriétaire, il propose, il va payer, il va proposer son prix et le payer, en disant, bon, maintenant tu vas prendre ce prix-là, et tu rajoutes le quart, qu'on appelle le cinquième. Tu rajoutes le quart, donc tu vas payer, quand tu veux les donner 20, on va rajouter le quart, donc ça va être que tu veux payer 25. Là, à cause du dilemme qu'on a, hein, alors le propriétaire, il va se mettre à payer, lui, 24, comme ce que l'autre, il propose. Et pourtant, regardez que le cinquième, il reste malgré tout 5. On va monter la barre à 29, au lieu de faire, bah, maintenant, paye le cinquième à partir de 24. Donc, divise 24 en 4, ça va te faire 6, donc tu rajoutes, tu devrais payer 30. Et c'est précisément ce que la Mishnah est venue m'enseigner en me disant cette phrase. « She'en mosifin chomesh al iluyo shelve » Car la règle me dit que on ne rajoute le cinquième, on ne calcule, on ne rajoute le cinquième que sur le prix que le propriétaire lui-même a estimé, mais pas sur les choses qu'on va lui imposer de payer à cause du iloui de shel'acher, à cause du fait que l'autre il a surenchéri le prix du champ. Sur ça, il ne faut pas payer le cinquième. C'est ce que la Mishnah est tout simplement venue m'enseigner. C'était évident, je ne sais pas des fois pourquoi. Bon, c'est pas grave. J'avais du mal à comprendre, maintenant j'ai compris. Il n'y avait pas de Barthénora, il n'y avait pas de Tiferet Israël. Après, j'ai compris que le Barthénora, il avait dit à la fin, Aval al-Selach et aussi faisait l'oïe aussi fouchomèche. Finalement, c'est la même phrase. Bon, en tout cas, voilà. Bon, Rachel, vous avez la chance d'avoir compris la Mishnah. Et j'ai peiné pour vous, c'est bien. Entre parenthèses, il y avait un livre au Beta Midrash qui aurait vraiment pu m'aider à résoudre mon problème, le fameux Mishnah Yot de Schottenstein. Mais il y a quelqu'un qui avait utilisé le livre et qui l'a pas ramené à sa place. Et j'en profite pour vous dire, c'est quelque chose qui me met en boule à chaque fois. Pourquoi les gens ne rangent pas les livres quand ils ont fini de les utiliser, à les remettre à leur place constamment? Il y a des gens qui doivent donner des, qui doivent étudier, qui doivent découvrir. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient que les gens, on est capable de laisser, de faire attention à ce que sa maison, qu'il n'y ait pas une petite saleté par terre sur une table, et un livre, de le remettre quelque chose de rien de plus élémentaire que d'autres personnes qui vont vouloir l'étudier, qui vont se mettre à perdre leur temps. J'ai passé 10 minutes à tourner au bétaminage pour trouver le livre pour comprendre cette phrase. Jusqu'à que Bassov, bon, Hachem, je me suis assis sur ma Mishnah et j'ai répété, jusqu'à que j'ai commencé, j'ai eu le déclic. Mais imaginez que c'était dommage, quoi. J'aurais pu vous présenter ce cours ce soir, enfin ce matin, parce que c'est le cours de matin, en faussant toute la Mishnah parce que j'avais pas ce livre. C'est vraiment de la chazariyout, il n'y a pas de mots, quoi. Enfin, je reviens maintenant sur le cours de la Mishnah. On a compris maintenant sur l'histoire du cinquième. Et c'était très important de bien comprendre ça pour maintenant comprendre la suite de la Mishnah, parce que la Mishnah, elle va devenir beaucoup plus compliquée. Il y a... Non, d'abord, j'avais une petite dette. C'était d'expliquer le cas où l'autre, il a proposé 25. En théorie, si réellement le propriétaire propose 20, et il y a quelqu'un qui propose 25, réellement, la halakha ne va pas me dire que le propriétaire il va payer 30. Il n'y a aucune raison de lui imposer ça. Par rapport au prix du champ, alors il vaut 25. Par rapport à la perte du Beit Hamikdash, il n'y aura aucune perte. Lui, il propose 20 plus le cinquième, ça va faire 25. Et l'autre, il propose 25. Il n'y a aucune raison d'imposer au propriétaire de payer plus. C'est-à-dire, il n'a jamais été question de dire au propriétaire, paye 50 000 alors que tu proposes ton prix et nous, on réagit en fonction. Et or, il y a quelqu'un qui propose 25, il n'y a aucune raison qu'on va lui imposer de payer 30. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, en fait, en réalité, le Barthénora rallonge pour nous expliquer qu'on parle du cas où le propriétaire avait prépayé et il avait proposé 20 et une prouta. C'est comme ça qu'elle ouvre l'enchaînement. 20 et 10 centimes. Ah, 20 et 10 centimes, alors là, on a un problème. Que lorsque tu vas rajouter le cinquième, eh bien, il va s'avérer que cette fois-ci, tu vas mordre au-dessus du 25. Ça va faire 25 plus 10 centimes, plus même 12 et demi centimes. Alors là, il n'y a rien à faire. L'autre, quand il a proposé 25, tu as proposé plus que lui. Ah, on va t'imposer maintenant de payer les 20 plus ton cinquième, plus les 5 de différence. D'accord? Maintenant, on continue avec la Mishnah. Je traduis d'abord la Mishnah et vous allez comprendre qu'il y a un petit problème dans cette Mishnah. Amar Echad, l'un a dit, Arehi Sheli Be'esrim Veshesh. Je la prends à 26. Donc là, en théorie, jusqu'à maintenant, on avait l'enchère, le propriétaire qui propose les 20 et l'autre qui propose 21, 22, 23, 24, 25. 25, en théorie, c'était la dernière limite, la Mishnah nous enseignait un cas un petit peu original, mais finalement, on était censé avoir résolu tous les problèmes lorsqu'il va vouloir, maintenant on va avoir quelqu'un qui va proposer les 26.
En théorie, on est censé directement le dire, et la halakha, elle est fixée comme ça, même si c'est pas écrit dans la Mishnah, parce que la Mishnah, elle parle d'un cas plus différent. Moi, j'ai proposé 20, je suis propriétaire, plus un cinquième, 25, et l'autre, il propose 26, il n'y a aucune raison qu'on m'impose de payer quoi que ce soit, ni même qu'on me donne le droit de payer quoi que ce soit. C'est important, c'est que je le précise tout de suite. C'est que si finalement, je commence à sentir que je vais perdre mon champ, et que je veux le racheter, et que je vais surenchérir, donc maintenant, je vais proposer maintenant 27, eh bien, hein, attention, puisque maintenant c'est moi qui propose le 27, il faudra que je paye le 5e à partir de ma nouvelle proposition de prix. Je ne pourrais plus dire non, je vais payer les 20 plus le 5e, plus encore les 7 de différence. Parce que moi, quand j'ai fixé mon, quand j'ai estimé la valeur du champ, quand j'ai estimé la valeur du champ à 20, alors ça y est, moi c'est le prix et je paye le 5e par rapport à ça. Lorsque quelqu'un il est en train de l'emporter dans l'enchère et qu'il est monté à 26, moi, ma proposition, elle ne peut plus couvrir cet espace-là, enfin, ce prix-là de 26. Pour que je puisse l'emporter, il faut que je fasse une nouvelle proposition. Et si je fais une nouvelle proposition de prix, c'est signifier que moi-même, j'ai changé l'estimation du champ. Je l'ai fait monter à 27. Dans ce cas-là, il faudra que je paye plein pot le 5e, c'est-à-dire le quart, en fait, du 27. Je prends le 27 et je rajoute, faites le calcul, ça fait quoi, 13,5 plus 13,5 divisé par 2, ça fait 46,75. J'ajoute les 75 sur les 27, ça fait 33,75 plus ou moins, je pense, je ne me suis pas trompé. D'accord, c'est ma nouvelle estimation, il faudrait que je paye ça. D'accord. Alors maintenant, accrochez-vous. Suite à ça, vous allez comprendre l'anomalie qu'il y a dans la Mishnah, et d'où la raison pourquoi le Bartanoir y rallonge notamment. Amar Echad, l'un a dit, Arei Sheli Be'esrim Veshesh, je suis prêt à la payer à 26. Alors la Mishnah m'enseigne quelque chose, une phrase un peu étrange qui me dit « Imratso abéalim liten shloshim ve'echad ve'dinar abéalim kodmim » Si le propriétaire accepte de payer 31 plus 1 dinar, 1 dinar c'est un quart d'un sela, alors abéalim kodmim, le propriétaire l'emportera. Et je continue la Mishnah « Ve'imlav » Et si le propriétaire n'est pas prêt à payer ce prix-là, apparemment, eh bien « Omri migi atecha » On va dire à l'autre qui a proposé le 26, Zaha ! D'où les gens qui proposent toujours le chiffre 26 quand on fait les enchères, c'est vrai que c'est écrit dans la Mishnah. D'accord ? On arrive à ça. Je reviens maintenant sur la problématique de la Mishnah. La phrase, on a du mal à comprendre la phrase de la Mishnah. Au sens simple, tel qu'on lit la Mishnah, sans l'explication du Bartanoir qui est une synthèse de la Gemara, eh bien, on pourrait comprendre qu'en fait, alors la Mishnah me dit, bon, tu sais, si on a dépassé l'enchère, on a atteint le 26, on va avoir un petit coup quand même de regret, on va se tourner un petit peu chez le propriétaire en lui demandant « Tu veux peut-être payer un peu plus ?» Alors tu payes, et la fille de la Mishnah nous a fixé un prix un peu bizarre, en me disant 31 plus un dinar. Donc en fait, ça veut dire 31 et un quart, si je traduis 31,25. Un dinar, c'est un quart de celle-là. Et alors là, on laissera payer ce prix-là, et s'il n'est pas prêt à payer, alors on dira « Bon, finalement, toi, tu l'as emporté à 26, on va prendre le champ 26. » Chose qui n'existe pas, il n'y a pas de situation pareille. On parle en réalité d'un autre cas. Le Bartanoir rallonge pour nous expliquer en fait d'abord comment est-ce qu'on est arrivé. C'est quoi? Comme je vous ai introduit tout à l'heure, si toutefois le propriétaire il va proposer un autre prix pour pouvoir surenchérir, alors une chose de sûre, il va falloir recalculer le cinquième à partir du nouveau prix pour proposer. Parce que maintenant c'est une nouvelle estimation. La Torah elle a dit tu rajoutes le cinquième sur l'estimation. Alors toi tu as fait ton estimation, alors selon ton estimation, tu rajoutes le cinquième. Quand on va t'imposer de payer un prix supplémentaire à cause de causes externes, des autres qui ont proposé tout ça, alors d'accord, tu dois payer ça, mais c'est plus l'estimation. C'est le fait qu'on n'a pas envie que la trésorerie du Panamigdash va se retrouver en déficit, elle va perdre par rapport au prix qu'elle aurait pu retirer, alors on va te demander de payer cette différence, mais c'est plus une estimation. Mais lorsque tu proposes un nouveau prix, alors c'est une vraie estimation. Si c'est une vraie estimation, il faut rajouter le quart, le cinquième. Donc, la Mishnah ne peut pas parler de ce cas-là. On parle d'autre chose en fait. Le Bartanoir explique qu'en réalité, on parle d'une personne qui a ouvert les enchères en proposant 21. Or, lorsqu'il a proposé 21, c'est là. Donc, rajouter le cinquième à 1, c'est là. On rajoute le cinquième à 1, c'est là. Donc, en fait, c'est le quart. Pour les 20, on rajoute 5. Pour le 1, on rajoute 0,25. Donc, en fait, on se retrouve à 21 plus 5. Il y a un petit problème technique. Attendez. 21 plus 5 plus 1 quart. J'ai un petit problème. Je lis le Bartanoir avec vous, on va voir. Kegon de Meikara, je sais pas trop Abéalim Rishon, Amrou Beisrim Bahatzlaim. Lorsqu'on ouvre les enchaînes, je lis le Bartanois, Imratsu Abéalim Niten Shoshim Bahat Vedinar. Le jeu en tout cas. Pardon. Oui, non, c'est clair. J'ai résolu le problème. Bon, je reprends. Les enchères, il les a ouvertes à 21.
Pas besoin de faire le bâton droit. Les Zohar t'as 21. Je dois rajouter maintenant le cinquième, donc en fait le quart, ça va faire, j'ajoute donc 5 plus un quart, donc ça fait 26 et un quart. Donc pour le moment, c'est moi qui l'emporte, celui qui a proposé les 26. Or, j'ai proposé que 21, et lui il propose 26. Alors de ce fait, cette différence-là, comme le même principe de la Mishnah, il va falloir le rajouter sur moi. Donc si encore, il va falloir le rajouter, les 5 différences, selon le principe, je ne peux pas moi racheter un champ à 21 quand quelqu'un il estime à 26. Je suis obligé de suivre l'estimation de 26. Mais je ne rajouterai pas le cinquième sur cette tosefet, sur cet ajout. Donc je rajoute le cinquième sur mon 21, donc je me retrouve à 26 un quart, et je rajoute en plus ça le 5 de différence, donc ça fait 31 et un quart, c'est exactement ce qui est écrit dans la Mishnah. Et si toutefois, en fait la Mishnah, elle a l'air de me proposer qu'on va lui laisser l'option, comme si on se tournait de nouveau vers lui, c'est pas du tout le cas. C'est si, concrètement, il a proposé 21, donc on va lui imposer maintenant de payer 31 et un quart. Et si Ve'im lave, et s'il ne peut pas proposer, et s'il n'a il a pas proposé ce prix-là, et bien dans ce cas-là, Omri Megiatecha, on dira à l'autre acheteur, on dira, ça y est, tu as eu. Et bien sûr, bien évidemment, il reste cette halakha-là, que je vous ai dit, que si le propriétaire a envie de surenchérir de nouveau, il pourra aussi le faire, mais il n'est plus du tout imposé de le faire. Et dans ce cas-là, il devra rajouter le cinquième sur ce qu'il a. Et une petite phrase encore sur le dernier Bartenora, là, qui nous dit que toute notre Mishnah ne parle que du cas. On n'a pas fait d'expertise avec trois experts. Mais si toutefois on a estimé le champ avec trois experts, alors le propriétaire il rajoutera uniquement sur le Avalim Shamua Shlosha Ben Adam Kidvarab Shelze, Mosifin Balim Chomesh Beiluyo Baal Kochan. Le propriétaire il devra rajouter le cinquième sur le prix exact, quoi, concrètement. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.